I go all day, all night. Bad Boy Entertainment. I named it Bad Boy. You send someone ahead to prepare the hotel room for you. It's called preparing the sexy. Hey, hey, yeah. Legendary white party. It's the real white party. And to all the kids, have like an hour left. So get extra comfortable, kids, because after that, y'all got to go. It's a wrap for y'all, because this thing turns into something that when y'all get older, y'all don't want to come to. Okay? Let me see. Oh, yeah. He's glittering. He's chilling. I'm a savage. Whatever I want, I'm going to get. Whatever I want, I have to get. Court documents now reveal authorities located AR-15s, narcotics, and more than 1,000 bottles of baby oil lubricant. All of these big dick deviants is all catching hell in 2024. It's up for all of them. It don't matter if you Diddy or whoever you is. I'm so sorry. Jamais elle n'aurait dû accepter cette invitation. Et vraiment, elle regrette d'avoir dit oui. Quand son amie lui a dit « On va trop bien fêter mes 29 ans, ça va être un truc de malade », elle imaginait tout autre chose. Du champagne, de la bonne musique, des paillettes, tout sauf être suspendue 17 étages au-dessus du niveau de la mer. Mais voilà où elle en est. Le vent est tellement fort qu'elle a l'impression que ses vêtements vont s'arracher. Et les rares fois où son regard se pose sur le sol, elle est à deux doigts de s'évanouir. D'où elle est, les voitures ressemblent littéralement à des insectes. Et tout ça, c'est à cause du malade qui prend plaisir à la torturer. Il a piqué une crise, il l'a soulevée du sol et il l'a suspendue au-dessus du vide. Et maintenant, il s'amuse à la balancer de gauche à droite, comme si elle était une poupée. Plus elle panique, plus il rit. Ce mec est complètement fou. Fou, franchement, il n'y a pas d'autre mot. Mais le pire, c'est que plus de 100 personnes regardent la scène et ne font absolument rien. Forcément, elle crie « Quelqu'un, aidez-moi, appelez la police !» Mais rien. Ils sont tous plantés là, comme des piquets, à la regarder lutter pour sa vie. Personne ne demande à l'homme d'arrêter. Ni ceux qu'elle croyait être ses amis, ni le personnel de l'hôtel, ni même sa meilleure amie, Cassie. Le truc, c'est que jamais, au grand jamais, on ne dit non au redoutable Didi. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que tout s'est bien fini. À un moment, Didi en a eu marre et il l'a redéposé dans un coin. La mauvaise, c'est que par rapport à ce que je m'apprête à vous raconter, cette histoire, c'est juste une broutille. Je vous assure, cette vidéo va être sale. En même temps, vous avez vu la vignette et avec tout le buzz autour de Didi en ce moment, vous avez déjà une petite idée de la noirceur de son âme. Je ne sais pas ce que vous croyez savoir du Didi Gate, mais je suis sûre que vous êtes loin du compte. Vous l'avez compris, Cassie a passé plusieurs années sous l'emprise d'un homme. Son histoire est une véritable leçon sur la vulnérabilité de la liberté. Vous pensez être en sécurité parce que vous naviguez en mode incognito. Du coup, vous vous dites que vos activités en ligne sont à l'abri de regards indiscrets ou de votre voisin du cinquième qui s'est improvisé à cœur. Mais malheureusement, c'est pas vraiment le cas. Votre fournisseur d'accès à Internet, les sites web que vous fréquentez, et même les réseaux Wi-Fi publics peuvent suivre vos moindres faits et gestes. C'est là que le sponsor de cette vidéo, CyberGhostVPN, entre en scène. Ce service vous permet de rester vraiment anonyme en ligne. Et il fait ça en cryptant toutes vos données et en masquant votre adresse IP. Avec des serveurs dans plus de 100 pays, CyberGhost protège non seulement vos données personnelles, mais il vous permet aussi de contourner les restrictions géographiques. Si vous en avez marre de ne pas pouvoir accéder à certains films ou séries disponibles uniquement à l'étranger, eh bien sachez que CyberGhostVPN débloque plus de 40 services de streaming. On a du Netflix, du Amazon Prime, du Disney Plus et beaucoup d'autres encore. Avec CyberGhostVPN, tout est simple. Vous activez l'application avant de vous connecter et voilà, vous êtes protégé en quelques clics. Le VPN fonctionne sur tous vos appareils, que ce soit votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette. Et le plus cool, c'est que vous pouvez partager cette protection avec vos proches. Jusqu'à 7 appareils au total. C'est un outil qui satisfait déjà des millions d'utilisateurs à travers le monde. Et si vous avez un doute, regardez juste ses avis sur Trustpilot. En ce moment, les gars, CyberGhostVPN propose une offre exclusive, 83% de réduction et 4 mois gratuits, sans compter leur garantie satisfait ou remboursé pendant 45 jours, donc si jamais vous n'êtes pas satisfait du service, il n'y a aucun risque à essayer. Je vous laisse cliquer sur le lien en description pour commencer à protéger votre vie en ligne dès aujourd'hui. Commençons en douceur, mais vraiment en douceur. Je vais rapidement vous résumer la vie de Didi. Aujourd'hui, il pèse 400 millions de dollars, ce qui est incroyable, mais à sa naissance,
il en valait beaucoup moins. Le 4 novembre 1969, quand il pousse son premier cri, les choses sont vraiment très différentes. D'abord, il ne s'appelle pas Didi, ses parents ont opté pour un nom un peu plus classique, Sean John Combs. Et aussi, il ne vit pas dans une luxueuse villa, il est né à Harlem. À l'époque, ce quartier new-yorkais est vraiment rongé par la drogue et la violence, c'est pas le meilleur endroit où vivre. Sa mère, Janice Combs, elle travaille comme mannequin et assistante scolaire. Et quant à son père, Melvin, c'est un peu plus compliqué. Après avoir quitté l'armée, il se lance dans le trafic de stupes. Et cette activité lui coûtera la vie. Quand Sean n'a que 2 ans, son père est tué lors d'un deal qui tourne mal. Janice est donc maintenant mère célibataire et elle veut ce qu'il y a de mieux pour ses 2 enfants. Ouais, Sean n'est pas seul, il a aussi une sœur qui s'appelle Keisha. Donc la famille quitte Harlem pour Mount Vernon. Et là, à l'école, Sean excelle, il casse tout. C'est un excellent élève, il n'a que des A+, et en plus, il a une très bonne réputation, il est bien apprécié par ses camarades. En 1987, une fois son GED, on va dire l'équivalent du bac en poche, il rejoint l'université d'Howard. Et là encore, il est au top. Il est très engagé dans les activités du campus, il n'a que des A+, il organise les meilleures fêtes de la fac, et à côté de ça, il trouve le temps de créer une entreprise de taxi pour accompagner les étudiants ayant un peu trop bu. Est-ce qu'on... le gars est parfait? D'ailleurs, ses profs de fac disent à tout le monde, vous le voyez ce mec-là? Bah, c'est le plus fort d'entre vous, hein. Essayez de vous en inspirer si vous pouvez. Grâce à Heavy D, l'un de ses amis d'enfance, il fait la rencontre d'André Harrell, le patron d'Uptown Records, un label américain. Il y devient stagiaire, et très vite, il décide d'abandonner ses études pour se concentrer sur sa carrière. Son instinct ne l'a pas trompé. En quelques années, il passe de stagiaire à vice-président. C'est assez dingue. Mais en 1993, Sean Combs veut absolument signer un artiste. Le truc, c'est que Uptown n'a pas très envie de le signer puisque ses musiques sont jugées trop grossières. La situation dégénère tellement qu'il finit par être renvoyé. Loin d'être découragé, Sean Combs voit là l'occasion de fonder son propre label et d'y signer son talent. C'est ainsi qu'il fonde Bad Boy Records avec son premier poulain, de Notorious B.I.G. La suite, vous la connaissez un peu. Bad Boy Records est derrière des artistes de renom tels que Danny T. Kane, Mary J. Blige, Usher, etc., etc. Et en tant qu'artiste, Didi a vendu des millions de disques et il a eu des récompenses à l'appel. En 2022, il rejoint même le club très fermé des milliardaires. Vraiment, Didi, c'est l'incarnation du rêve américain. L'enfant qui est né dans une cité et qui a réussi à se hisser dans les hautes sphères simplement par la force de son travail. Mais ça, c'est l'histoire que racontent les médias. La réalité, elle, est apparemment complètement différente. Puff is truly a leader of the inside and can function as a business person and take it to a mass market level, but first and foremost, a culturally significant level. Il y a 2 minutes, je vous ai expliqué que Didi était passé de stagiaire à vice-président uniquement grâce à son talent. C'est un peu faux. C'est sûr, il a gravi les échelons à une vitesse record, mais pour ça, il aurait eu recours à la promotion canapé. Voilà, apparemment, il aurait accordé des faveurs sexuelles à André Harrell pour que sa carrière avance un petit peu plus vite. Je précise que ce ne sont que des allégations, ok? Jusqu'à présent, rien n'a été prouvé. Cependant, après les accusations de Cassie, des langues ont commencé à se délier et à raconter toutes ces histoires. Voici donc la version officieuse. En 1990, quand Didi rejoint Uptown Records, il tape dans l'œil d'André Harrell. Littéralement. Il a 19 ans. Il est jeune, il est frais, il a les crocs, il a envie de réussir. Selon Jaguar Wright, l'ex-assistante de Didi, eh bien André commence immédiatement à le bichonner. C'est pas du tout le stagiaire qui fait le café ou qu'on envoie faire les photocopies. Quelques semaines seulement après son arrivée, il participe déjà à des réunions cruciales et il se voit même confier quelques artistes. I took it very seriously, you know, as far as whether it was getting that tape or whether it was any job or task that you gave me in the beginning part when I was an intern. And me being an intern, that kind of helped to shape and mold me. À 19 ans, en tant que stagiaire et avec presque zéro expérience professionnelle, c'est comme si lundi vous deveniez stagiaire chez Sony et que mercredi, on vous confiait la gestion des droits d'auteur de Beyoncé. Vous voyez ça, c'est absolument incroyable, improbable. Didi reçoit les fonds, les contacts et tout le nécessaire pour mener à bien des projets colossaux. Et ça,
alors qu'il n'est pas forcément le plus qualifié ou le plus expérimenté. Dans les coulisses, une rumeur se répand. On dit que Didi et André Harel ne feraient pas que parler lorsqu'ils restent seuls tard le soir. Et certains affirment même avoir vu des mains un peu baladeuses. Encore une fois, ce sont des bruits de couloir. Mais selon les témoignages, André aurait abusé quasi quotidiennement de Didi. Et ce pendant 3 ans. You know, even sitting here right now, you know what I'm saying, it's surreal that I'm being interviewed by like my mentor, you know what I'm saying? We only get a chance to like have like one mentor, one person that puts us on. Mm-hmm. So this is like a dream come true to do an interview that you're asking me questions and you get to say that I've done all these things because I did a lot of these things to like make you feel proud, you know what I'm saying? Mm-hmm. Non seulement il aurait eu des rapports avec lui, mais il l'aurait aussi poussé dans le lit d'autres gros pontes de l'industrie. Ça, c'est un cercle vicieux dont André Harel a lui-même été victime. En 1983, André Harel rejoint Rush Management de Russell Simmons. Et lui aussi, en 3 ans pile, il passe du bas de l'échelle à vice-président. On aimerait bien ici, on aimerait bien faire ça en France. Et lui aussi, après ses 3 ans sabbatiques, il s'en va fonder son propre label qui cartonne. Selon des sources anonymes, André Harel aurait subi la même chose qu'il a infligée à Didi. Lorsqu'il était à Rush Management, il aurait fait office de toy boy. Il serait passé donc entre les mains de plusieurs personnes en leur offrant des faveurs sexuelles. Apparemment, il aurait même servi de toy boy à un certain Clive Davis. Ce mec, c'est juste le président de Columbia Records, de RCA Music Records, de BDM North America, et depuis 2008, il est le Chief Creative Officer de Sony Music Entertainment. Et si je vous raconte tout ça, c'est pas pour que vous preniez Didi en pitié, hein, mais c'est parce que c'est à ce moment-là qu'est né le monstre qui est exposé sous nos yeux, tout simplement. Il faut savoir que plus de 75% des violeurs récidivistes ont été eux-mêmes abusés sexuellement lorsqu'ils étaient plus jeunes. Là, j'ai pas envie de leur trouver des excuses, mais reconnaissons que subir des abus sexuels est un facteur de risque considérable. Rappelons aussi que les supposés abus commencent quand Didi n'a que 19 ans. Et rappelez-vous comment vous étiez à 19 ans. Vous en avez peut-être pas l'impression, mais la plupart d'entre vous, à 19 ans, étaient totalement influençables. À 19 ans, vous avez le droit de voter, de conduire, de faire à peu près ce que vous voulez, mais votre cerveau n'est pas encore pleinement développé. Concrètement, ça veut dire que vous êtes facilement manipulable. Du coup, quand Didi a dû passer sous la table à 19 ans, il y a de fortes chances pour que son esprit ait été fracturé. Ses notions de bien ou de mal ont certainement changé, et pour lui, ses actes sont devenus une part normale du monde professionnel. Dans le cas de Didi, même s'il n'y a aucune preuve, je pense qu'il a été victime de son mécanisme de survie. Et souvent, il arrive que votre cerveau vous sauve la mise en vous mettant dans la peau de votre agresseur. C'est ce qu'on appelle l'introjection. L'introjection, c'est quand la victime s'identifie à son agresseur. En fait, c'est presque un transfert de personnalité. Didi a toutes les caractéristiques d'une victime d'abus ayant fait de l'introjection. Et cette théorie, elle est d'autant plus plausible que, jusqu'à présent, il est très proche de ses anciens bourreaux. Selon la légende urbaine, en 1993, Didi quitte André Harel parce qu'il veut signer Notorious B.I.G. et parce qu'Uptown Records refuse. Mais cette version, elle est très éloignée de la vérité. Dans une interview, André a expliqué qu'il n'y avait jamais eu de clash entre Didi et lui. En fait, c'est lui qui l'a incité à fonder son propre label et à signer des artistes un peu plus controversés, comme par exemple de Notorious B.I.G. I didn't want to sit there and be the one confining Puff because the corporation was telling me to do that. I'm not built that way. Mm-hmm. So I told Puff he needs to go and create his own opportunity. You red hot. I'm really letting you go to, so you can get rich. Et attention, fait très intéressant, quand Didi fonde Bad Boy Records, il touche encore son salaire de vice-président chez Uptown Records. C'est juste incroyable. Le président d'un label de musique qui continue de payer son ex-employé qui est parti fonder son propre label. C'est du jamais vu. Et sans grande surprise, ça alimente les rumeurs. Les rumeurs selon lesquelles André Harel et Didi n'étaient pas juste collègues. Surtout que, fait très intéressant, Didi n'a pas fondé Bad Boy Records tout seul. Lorsqu'il lance son label, il possède 50% des parts. Les autres 50% appartiennent à Clive Davis, le mentor bien aimé de son propre mentor, avec lequel il aurait aussi supposément eu des relations intimes. C'est un cercle vraiment vicieux et dégueulasse tout ça. Et je le dis encore une fois, ce n'est pas du tout pour excuser Didi. S'il est reconnu coupable des 43 chefs d'accusation qui lui pendonnait, je lui souhaite vraiment de purger toute sa peine de prison. Mais je pense qu'il est essentiel de comprendre comment il en est arrivé là. Didi, il n'est pas sorti du ventre de sa mère en voulant balancer des femmes sur les murs. À un moment donné de sa vie, quelque chose l'a changé. Et c'est là qu'il est devenu un meurtrier en sommeil.
Aujourd'hui, on sait que Didi est violent. Non, il n'a pas de problème de gestion de colère, il n'a pas la gifle légère, il est juste violent, point à la ligne. Mais savez-vous à quel point il est prêt à se salir les mains? Nous sommes le 27 décembre 1999, et Didi se livre à son activité préférée, faire la fête. Un soir, il décide de sortir avec sa copine de l'époque, Jennifer Lopez. Avec eux, il y a aussi son garde du corps, et un rappeur et ami qui s'appelle Shine. Ensemble, ils se rendent au club New York, une boîte de nuit qui fait fureur. La soirée se passe très très bien, le son est bon, l'alcool coule à flot, et aux alentours de 2h, la petite équipe décide de quitter le club. Ils font donc leur au revoir à tout le monde, et ils s'avancent vers la sortie. C'est là que Didi bouscule quelqu'un. Le verre de l'homme tombe sur le sol forcément, et il se brise. Si vous êtes déjà allé en boîte de nuit, vous savez que ce sont des choses qui arrivent. Le truc c'est que Matthew Allen, celui dont le verre s'est cassé, il en fait tout un drame. D'ailleurs cet homme il est connu sous le nom de Sicar. En fait c'est un petit gangster du coin, alors forcément, il voit dans cet incident l'occasion de faire le coq. Le ton monte, les insultes se mettent à siffler, et à 2h30 du matin, trois coups de feu se font entendre. Dans le club, c'est la panique. Trois personnes qui n'avaient rien demandé à personne sont touchées et elles s'effondrent sur le sol. Didi et sa clique, eux, s'enfuient à toute vitesse à bord de leur voiture. Mais très vite, la police les retrouve et elle les rattrape au coin de la 54e avenue. Dans le véhicule, une arme à feu est retrouvée. C'est là que commence l'un des procès les plus médiatisés des années 90. Rap star Sean Puffy Combs is free on bail after he and his girlfriend, entertainer Jennifer Lopez, were arrested after a nightclub shooting in New York City. Jennifer Lopez, elle, est rapidement écarté tout soupçon. Il ne reste plus à savoir qui de Jones, le garde du corps, de Shine ou de Didi a tiré. Contre toute attente, les charges contre Didi et son garde du corps sont totalement abandonnées. Shine, en revanche, est reconnu coupable de 5 chefs d'accusation et il est condamné à 9 ans de prison. Si je vous parle de cette histoire, c'est parce que Shine a toujours affirmé avoir payé pour quelqu'un d'autre. Mais qui exactement? Ça, il ne l'a jamais dit. Mais forcément, tous les regards se tournent vers Didi. He had nothing to do with this whatsoever and it is very very frustrating to keep on going through this when anything happens anywhere. He's blamed for it. Aussi bizarre que ça sonne, cette histoire lui a fait gagner une certaine street cred, quoi. Il a gagné le respect de certains rappeurs. Ça lui a donné une image de bad boy, de gars à ne pas chercher, des traits de caractère qui sont très appréciés dans le milieu du rap et du hip-hop. Mais pourtant, tous les artistes réfléchissent à deux fois avant de signer avec Didi. Vous vous demandez certainement pourquoi, hein ? Parce que cet homme est un vrai rat. Le 27 janvier 2020, le Staples Center de Los Angeles est plein à craquer. Alicia Keys porte une belle robe argentée, elle est sur la scène et elle parcourt la salle du regard. Tous les invités attendent qu'elle ouvre l'enveloppe qu'elle tient entre les mains. Forcément, en bonne maîtresse de cérémonie, elle fait un peu durer le suspense, elle regarde les gens comme ça, mais qui c'est? Et puis, elle finit par en lire le contenu. Le Industry Icon Awards est remis à Sean Combs. Waouh, Sean Combs, Didi. Et Didi ne se fait pas prier, hein. Il monte sur scène pour récupérer son trophée et il a cette air un petit peu, voilà quoi, bad boy encore une fois. Et bien sûr, fidèle à lui-même, il se sent obligé de se la jouer un petit peu Rosa Parks. Là, il pointe du doigt l'attitude déplorable de la Recording Academy. En fait, chaque année, les artistes rap et R&B se tuent au travail pour produire des hits, mais selon lui, la Recording Academy, elle s'obstine à les considérer comme appartenant à des sous-genres. Et Didi, il exige du respect pour ses styles musicaux. We are artists and we are sensitive about our shit. We are passionate. For most of us, this is all we got. This is our only hope. Truth be told, hip-hop has never been respected by the Grammys. Forcément, son discours il est suivi d'un tonnerre d'applaudissements. Mais au même moment, devant sa télé, Mason Durell il éclate de rire. Les plus jeunes d'entre vous n'ont aucune idée de qui est Mason, hein. Mais si je vous dis Mace, peut-être que ça vous dira quelque chose. Mace, c'était l'un des rappeurs stars de Bad Boy Records. Avec Feel So Good, il était devenu le Drake de son époque. Et d'ailleurs, son album Harlem World a été 4 fois platine. Mais aujourd'hui, il survit à peine. Et pour Mace, le coupable est tout trouvé, c'est Didi. Du coup, quand il entend ce discours à la télé, il court clasher Didi sur internet. Mais toi, t'es fou quoi! Tes pratiques commerciales, elles ont affamé tes artistes, elles sont injustes envers ces mêmes artistes qui t'ont permis d'obtenir cette Icon Award. Il est totalement révolté. Mace explique qu'en tout et pour tout, il a reçu seulement 20 000 $ en guise de droits d'auteur. Et ça, ça le rend dingue. I never got paid what I was worth and I never got the respect I was worth. So the disdain that I got for Puff is more like you trying to keep me here.
Et le truc, c'est que ce n'est pas la première fois que Didi est traité d'esclavagiste des temps modernes. En 1999, The Lox, un groupe de rap signé chez Bad Boy Records, part en campagne contre Didi. Les trois rappeurs en ont marre de ce qu'ils qualifient d'exploitation. Selon eux, ils sont payés avec des cacahuètes et ils voient à peine leurs droits d'auteur. En guise de représailles, ils initient la campagne Free the Lox et ça marche. Mais le prix à payer pour retrouver leur liberté a été considérable. Ils ont dû verser 3 millions de dollars à Bad Boys et céder 50% de leurs royalties. This is for life. So if this is so for the rest of your life, if you make a song, you have the way it stands, he gets money no matter what. If we make a give it to me or in the club, he's gonna make more off that than. Honnêtement, Didi a pas mal d'artistes qu'il voit comme un capitaliste sans pitié. C'est par exemple le cas de Da Band. Da Band est un groupe de rap qui a été créé lors d'une télé-réalité. Pendant 3 saisons, entre 2000 et 2002, on suit des aspirants rappeurs qui essaient de percer. La série, elle n'est pas très connue en France, mais elle a vraiment cartonné aux États-Unis. Finalement, en septembre 2003, Da Band sort son album Too Hot for TV. C'est pas un bide, mais on va dire que c'est pas un succès magistral non plus. En tout, il s'en vend 500 000 copies. C'est plutôt pas mal. Mais là encore, le souci, c'est l'argent. Combien croyez-vous que les membres de Da Band aient été payés pour avoir donné 3 ans de leur vie à Bad Boys Records? Je parle ici de la participation à la télé-réalité qui a été produite par Didi. 300 000 dollars? Pas du tout. 150 000 dollars? Pas du tout. Pour ces 3 ans de travail, chacun d'entre eux a reçu 25 000 dollars. C'est même pas 1 000 dollars par mois. We sold the records, we had the number one show, we had 3 seasons, like we did all the work. And it's like everybody around that was just helping us. Je sais qu'à ce stade, il est facile de se dire que Didi est un monstre sans nom, mais je pense qu'il faut un peu nuancer la situation. Quand un artiste signe dans un label, le deal est le suivant. J'investis sur toi et je me paie sur tes ventes. Donc très souvent, l'artiste n'apporte que son talent. Il faut payer les frais d'enregistrement, le marketing, la promotion, l'organisation des concerts, les charges d'entreprise, etc. Et toutes ces dépenses, c'est la maison de disques qui les supporte. Alors logiquement, quand il y a des ventes, le studio récupère son investissement. Du coup, quand un artiste signé vend pour 10 millions, ça ne veut pas dire qu'il a gagné 10 millions. Ça, c'est ce qui est arrivé à Lisa du groupe TLC. Ok, there are 100 points on the album. TLC had 7. Every point is equal to 8 cents. All right? 7 times 8, 56 cents. But as time went on, we learned a lot. That means every time an album gets sold, TLC gets 56 cents. So 10 million records, $5.6 million. Seems like a lot of money. Well, it's not a lot of money when the record company has spent $3 million to record your album. And in the record business, we pay all costs back to the record company. We pay recording costs, video costs. So now we have $2.6 million left. Well, guess what? When you have that much money, you're in about the 47, 48, 49% tax bracket. So that immediately gets deducted to $1.3 million. Then you split the rest 3 ways. You got about $300,000 apiece, if that much. Okay? $300,000. I can buy a nice house with that. And what am I gonna pay my bills with? Je pense aussi qu'il y a un autre élément à prendre en compte, c'est le manque d'éducation financière des 10 artistes. La plupart d'entre eux sont hyper jeunes, ils sont soit ados, soit ils ont la petite vingtaine, ils viennent très souvent de quartiers difficiles, et ils n'ont pas forcément fait d'études poussées. Ils voient juste le bling, ils voient les paillettes, et ils ne pensent pas à solliciter d'avocats pour négocier leur contrat. C'est comme ça que, très souvent, ils se retrouvent à signer des documents qu'ils ne comprennent pas. All I knew that was in the contract is that I was signing a bad boy. I was young, I was dumb. All I knew how to do was rap. That was it. The amount of money that was in my contract, I'm not going to say exactly how much it was, but I will say that I did take it to a lawyer, and my lawyer did tell me it's fame, not fame and fortune. Je ne dis pas que c'est bien, hein, mais en tout cas, c'est pas illégal. Donc, pour en revenir à Didi, les accusations d'exploitation sont sujettes à débat. En revanche, ce qui est incontestable, c'est qu'il a complètement détruit la vie de son ex-petite amie. Mars 2016, hôtel intercontinental de Los Angeles. Alors qu'ils profitent de leur petite soirée, un couple entend des hurlements. Au début, ils ne sont pas vraiment sereins, mais on dirait quand même des cris de femme, quoi. On dirait une femme qui hurle. Et de temps en temps, un homme semble hurler. Mais bon, peut-être que c'est juste la télé, hein. Mais ça se reproduit, à plusieurs reprises. C'est pas du tout la télé. C'est en fait une énième dispute entre Didi et Cassie. Et une fois de plus,
Cassie espère que ce sera la dernière. Ça fait 10 ans qu'elle est sa chose. Elle n'en peut plus. Alors, une fois de plus, elle essaie de s'enfuir. Pendant que Didi dort, Cassie enfile ses chaussures, elle se rhabille et elle se glisse vers la porte. Mais en bon prédateur, son compagnon se réveille dès qu'elle touche la poignée. Et là, qu'est-ce que vous croyez qu'il fait? Il n'y a pas beaucoup d'options, je pense que vous savez. Didi saute hors de son lit, il poursuit Cassie dans le couloir, et là, il commence à la tabasser. Il la balance par terre, il la traîne par le col de son pull. C'est horrible. Malgré tout, Cassie, elle parvient à s'enfuir de l'hôtel. Quand elle sort, elle a une mine affreuse, mais au moins, elle est libre. Elle se dépêche de prendre un taxi et d'aller s'enfermer chez elle. Bon. Repartons un peu aux origines de cette histoire. Cassie Ventura naît le 26 août 1986 à New London, dans le Connecticut. C'est une très belle jeune femme, elle est métisse philippino-américaine, et forcément dans sa petite ville, voilà, c'est la plus belle. À 14 ans, elle débute dans le mannequinat, et à 18 ans, dès qu'elle a son bac en poche, elle fait ses valises direction New York. Là, elle vit sa meilleure vie, elle rencontre plein d'amis, enfin, elle est trop heureuse quoi, elle sent que c'est la ville où elle doit être. Un soir, en boîte de nuit, elle rencontre Ryan. À l'époque, il avait déjà quelques succès et il était en train de monter. En 2006 donc, grâce à Ryan, Cassie enregistre ce qui reste son titre le plus connu, Me and You. Oh, j'ai tellement dansé sur Me and You. Me and you. Désolée, je vibe, j'ai un petit moment vibe là. Au début, quand Ryan présente le son à Didi, bah on va dire qu'il est assez mitigé. Hein. Il se dit que la chanson n'est pas mauvaise, mais c'est pas non plus une prestation à la Mariah Carey quoi. Mais Ryan est prête à tout pour catapulter sa petite amie. Il lui crée un compte MySpace et le beau visage de Cassie attire des millions de followers. Et c'est cette fanbase qui va l'aider à pousser Me and You dans les boîtes de nuit et dans les radios. À force d'entendre la chanson, Didi décide de signer Cassie. Et le 8 août 2006, le studio sort l'album Cassie. Le single phare, Me and You, il se hisse rapidement à la troisième place du Billboard 100. Il n'y a qu'un seul souci dans tout ça. Cassie, elle n'a pas réellement de talent. Quand elle est en studio et que les techniciens arrangent un peu ses mélodies, ça va. Mais sinon, c'est juste terrible. En août 2006, elle donne un spectacle promotionnel sur MTV et plus tard sur BET. Franchement, c'est un fiasco, et je pèse mes mots. Sans le tuning, elle est complètement perdue. Elle n'articule pas quand elle chante, et en plus, elle n'est pas réellement une danseuse. Bref, la carrière de Cassie est morte dès qu'elle a donné sa première prestation live. Clairement, c'est pas une artiste, et les médias américains la traînent dans la boue. Mais au cœur de cette tempête, un homme la défend bec et ongle. Devinez de qui il s'agit ? De Didi. Non mais vous savez, elle est juste stressée, elle a besoin de temps pour s'habituer au regard du public. En novembre 2006, rebelote. Cassie performe au MTV Europe Music Awards à Copenhague, au Danemark. Et autant dire que le changement de pays n'améliore pas les choses. Hein. Même les danseurs en arrière-plan ont plus de présence que Cassie. Dans les coulisses, l'artiste make-up s'approche de Cassie et elle lui dit à l'oreille « Je crois que Didi a un gros crush sur toi. » C'est le début de la fin. Après ça, Didi commence à lui faire la cour et il l'entraîne peu à peu dans les profondeurs de son monde. En septembre 2007, il passe la chercher à son appartement de Manhattan. Et dès que Cassie s'installe dans la voiture, elle remarque quelque chose de bizarre. Didi n'est pas dans son état normal, il est clairement sous influence. Et parce que plus on est fou, plus on rit, il tend une pilule d'ecstasy à Cassie. Après ce jour-là, elle en consommera quasi quotidiennement pendant 10 ans. Et encore aujourd'hui, elle n'est pas complètement débarrassée de cette addiction. La seule ombre au tableau, c'est que Cassie est techniquement encore en couple avec Ryan. Et du coup, pour voir Didi, elle doit jongler. Le truc, c'est que, bien heureusement, son amant est un as du mensonge. En automne 2007, Didi et son équipe fabriquent un flyer. Un flyer selon lequel Cassie serait en concert à Miami. Bien sûr, elle n'a pas de prestation à donner, c'est juste une excuse pour qu'ils puissent partir en week-end ensemble. En 2007, ça y est, Didi et Cassie officialisent leur relation. Et quand la nouvelle tombe, la presse trucide Cassie. Elle passe de la fille sans réel talent, qui a sorti un hit par chance, à l'arriviste voleuse de mari, qui passe d'un producteur à l'autre pour avoir des hits. C'est terrible. Bon ok, c'est sûr, Cassie c'est pas une petite fille naïve, elle était probablement un peu opportuniste quand elle s'est mise avec Didi. Mais tout ça, ça reste assez violent, et ce manque de crédibilité l'a beaucoup isolée. Vous savez, quand vous avez de réelles compétences, et que vous êtes reconnu pour ces compétences, ça booste votre confiance en vous. Et surtout, ça vous permet de développer votre propre réseau relationnel. Cassie, elle n'avait pas tout ça. En fait, à un moment, elle s'est mise à exister uniquement à travers son compagnon. Et je crois que c'est aussi à cause de ça qu'elle a enduré ses abus pendant si longtemps. Final question, is there anything that you may want to confess tonight before you go in?
but keep everything right here. Or right here. There you go, that's how you do it, right? Quelques mois après le début de leur relation, Didi regarde Cassie droit dans les yeux et lui dit qu'il veut la regarder avoir des relations intimes avec d'autres hommes. Normal. Et attention, hein, il n'a pas l'intention d'admirer la scène en silence, il veut tout filmer comme un réalisateur de film X. Cassie, elle, n'a pas trop le choix. Elle accepte la proposition de son compagnon. La première fois, Didi engage un escort boy. Et pour faire passer la pilule, il met à leur disposition toutes les drogues auxquelles vous pouvez penser. Ce plan à trois va finir par s'étaler sur plusieurs jours. Et à la fin, Cassie est épuisée. Mais elle se dit que c'était peut-être une lubie de Didi, que maintenant que c'est terminé, ça se reproduira pas. Que nenni, il la prend à part et il lui dit... Tu sais quoi, moi j'adore ce qui vient de se passer. Et si on donnait un petit nom à ces expériences-là? Les freak-offs. Après ça, Cassie et Didi auront au moins un freak-off par semaine. Cassie a témoigné en disant qu'elle avait essayé à plusieurs reprises de dire non. Non, j'ai pas envie d'être filmée, non, j'ai pas envie de faire de freak-off, j'ai pas envie de coucher avec des gens que je connais même pas. Mais à chaque fois, elle se heurte à un mur. Quand elle essaie de supprimer les vidéos, Didi, il en sort d'autres pour lui montrer qu'il la tient en laisse. Et bien sûr, il utilise la violence pour la soumettre. En janvier 2009, lors d'une soirée banale, Cassie commet l'erreur de parler à un autre manager. Dès qu'il s'en aperçoit, Didi bascule dans la folie. Sur le chemin du retour, il s'acharne sur elle, il se met à la frapper au visage avec une telle violence que Roger Bones, le chef de sécurité de Didi, est choqué. Il essaie de les séparer. Après ça, Cassie est méconnaissable. Elle a des yeux au beurre noir, ses pommettes sont enflées, elle est juste dans un piteux état. Et pendant plusieurs jours, elle reste enfermée chez elle. Pour soi-disant se racheter, Didi la couvre de cadeaux. Ça, c'est un coup classique des personnes manipulatrices. Le problème dans tout ça, c'est que Cassie est totalement dépendante de Didi. Il lui paye son loyer, sa voiture, il lui paye tout en fait. En 2010, des nudes de Cassie sont dévoilées. Et ça, ça donne l'occasion à tous les professionnels de la musique de se moquer encore plus d'elle. Yes. Cathy, I'm not gonna lie, Cathy. I talked about you so bad about a month and a half ago. I want to hear what you said. When you first shaved your head off, mm-hmm. and then the pictures of you came out naked the next week, mm-hmm. I said, this chick is screaming for attention in a Beyonce, Rihanna world. When they talk about Cathy, you know, you don't hear a lot of good things. That's why I kind of got to give you props for keeping your head up, because they say Thanks. Things like, you know, you're untalented, you're not good vocally. And then when you shaved your head and came out with the naked pictures, it was like, okay, she's reaching now. Franchement, c'est immonde. Et je suis convaincue que ce type de commentaire a aidé Didi à garder Cassie sous emprise. Imaginez qu'on vous dise constamment, en privé comme en public, que vous êtes nul, que vous êtes une merde, que vous ne valez rien. Et qu'ensuite, une personne vous jette des petites miettes d'affection, en prenant soin de vous financièrement, en vous offrant des cadeaux, et en vous complimentant. Même si cette personne vous fait faire des choses dégradantes, ce sera vraiment difficile pour vous de partir. En octobre 2018, Cassie trouve la force de mettre fin à 12 ans d'une relation complètement dysfonctionnelle. En 2023, elle porte plainte contre son ex. Didi, lui, préfère régler le problème à l'amiable et il lui verse 30 millions de dollars. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. I'm so sorry. C'est à ce moment-là que le monde découvre l'exploitation sexuelle dont était victime Cassie. Mais dans le milieu, ça faisait déjà une décennie que quasiment tout le monde savait ce qu'il en était. C'est le cas par exemple du rappeur 50 Cent. You know, like, cause they know, like, if something crazy is going on, if they send it to me, I'll make sure I get out. Avec les révélations de Cassie, un autre penchant de Didi est exposé au grand jour. Apparemment, il n'aimerait pas que les femmes adultes. Ok, là, on va descendre encore plus profondément dans l'obscurité. Si vous êtes une âme sensible, pas sûr que votre cœur tienne le coup. Selon certaines rumeurs, Didi serait un pédophile. Plus précisément, on le soupçonne d'avoir abusé des adolescents qui essayaient de percer dans le game. Et parmi eux, deux sont extrêmement connus, Usher et Justin Bieber. Je précise qu'il s'agit de on dit, en tout cas pour le moment. Jusqu'à présent, personne n'a porté plainte, pas même les concernés. Mais jusqu'à présent, l'ombre du doute plane. Prenons le cas Usher. Je vais pas faire un flashback sur sa carrière parce que ce serait vraiment trop long. Ce qui nous intéresse, c'est qu'à 13 ans, Usher est parti vivre avec Didi, soi-disant pour apprendre les ficelles du métier. La réalité a été extrêmement différente de ce à quoi il s'attendait. On ne va pas enfoncer des portes ouvertes, vous le savez, Didi, c'est l'ami des partous et des drogues. Et clairement, cohabiter avec Didi a exposé Usher à ce style de vie décadent. Il a vu des choses qui l'empêchent encore de dormir alors qu'il est déjà un homme adulte. Regardez juste son langage corporel quand il parle de cette époque. Moved to New York City.
And I lived with Sean Puffy Combs for a year. That's the crazy thing. Now, that was L.A. Reid's idea, right? We're sending you over to something called Puffy Flavor Camp. There you go. To learn Flavor some Camp. Yeah, Flavor that's camp. What it was called. And you're going to go to Puff Daddy's. He's going to In the 90s, do you understand what that's like? Dans la suite de l'entretien, Usher lui-même reconnaît que sa vie avec Didi n'était pas vraiment saine. Déjà, Didi et lui passaient un temps fou en boîte de nuit. It was great to be able to go to Club USA or the Supper Club, you know, with Puffy in that time, or the Tunnel. But these are places that a 13-year-old probably should not be. Et lors de ses sorties, Didi ne se gênait pas pour se livrer à des activités pour adultes avec d'autres adultes. I'm around grown women and I'm seeing them do things and have experiences that I'm not quite ready for. Une fois, une journaliste a demandé à Usher si, lorsqu'il était avec Didi, il n'avait pas été poussé à avoir des relations sexuelles. Usher n'a pas dit oui, mais il n'a pas dit non. Wow, that was, so nobody that tried to, you know, some woman didn't come along. I didn't say that. Okay. I didn't say that. What I did say is that there were very curious things taking place, and I didn't necessarily understand it. En fait, en regardant ces interviews, tout laisse à penser que Cher aurait été introduit au plaisir charnel par Didi. Maintenant, est-ce que Didi lui-même a eu des contacts intimes avec son protégé? Les deux concernés ont toujours nié. Cependant, il y a une interview qui alimente les ragots. My brother right here from day one, we used to wake up and, I mean, damn, pause, but like, just, I mean, back in the days when he was like 10 and I was a little bit older, his older brother, we used to fight over the Frosted Flakes. Donc, il dormait dans le même lit. Didi vivait dans des palaces, mais vous allez me dire qu'il dormait dans le même lit qu'un gamin de 13 ans. Un peu comme Usher, un autre enfant star garde un très mauvais souvenir de sa rencontre avec Didi. Il s'agit de Justin Bieber. Et si tout ce qui se dit est vrai, c'est juste dramatique. Déjà parce qu'on parle d'un enfant qui aurait subi l'innommable, mais aussi parce qu'il aurait été rabattu à 15 ans par Usher, ex-victime alors âgée de 30 ans. Il y a très peu de témoignages sur ce qui s'est passé entre Didi et Justin. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à un moment, Didi est resté seul pendant 2 jours avec Justin. Il a présenté ça comme un atelier de travail durant lequel ils allaient s'amuser et bosser. Right now he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, like you know, where we hanging out and what we doing. We can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. Et quand on connaît la définition de s'amuser de Didi, ça fait vraiment froid dans le dos. À un moment donné, Didi et Justin faisaient constamment la fête ensemble. Et puis, ils ont commencé à moins se fréquenter. Finalement, leur relation s'est complètement effondrée. Apparemment, et je dis apparemment car rien n'est prouvé, ce serait grâce à la mère de Justin. Et ça n'aurait pas plu à Didi. Dans une vidéo qui a récemment refait surface, on voit cet homme adulte demander à un adolescent de 15 ans pourquoi il ne traîne plus avec lui. C'est un acte différent, hein? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, you try to get in contact with me, you know, through all my, you know, business, you know, partners and whatnot. Mm-hmm. But you never really got my number, so. Right. Okay. My number? Yeah. C'est quand même super malsain. Concernant les allégations d'abus sexuels sur mineurs, il y a très peu d'informations. Ce sont essentiellement des on-dit, des observations et des attitudes assez bizarres. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vous laisse décider. Et pendant que vous êtes perdu dans votre réflexion, je vous emmène au fin fond de l'affaire qui a conduit Didi derrière les verrous. Septembre 2022, Rodney Jones est en train de traîner dans son appartement de Chicago quand il reçoit un appel. C'est un numéro qu'il ne connaît pas. Mais bon, en tant que producteur, il est constamment à la recherche de nouveaux contrats, alors peut-être que c'est juste un futur client. Du coup, il décroche. Yo, c'est Didi. Didi? Alors en 2022, Rodney Jones avait déjà travaillé avec T-Pain, Jeremiah et plein d'autres artistes hyper connus. Mais voilà quoi, là c'est Didi quoi, c'est le boss de Bad Boys Records. C'est la légende du R&B. Bon, dans le milieu, Didi n'a pas une très bonne réputation. On est en 2022, donc l'affaire Cassie n'a pas encore explosé, mais absolument tous les artistes du label se plaignent de la manière dont ils ont été traités. Et ça va même plus loin. Les producteurs, les auteurs, tout le monde ou presque dit avoir été douillé par Didi. Malgré tout ça, Rodney accepte cette proposition. Et c'est franchement la pire décision de sa vie, en tout cas d'après lui. Au début, il veut travailler à distance, sauf que Didi lui dit « Ben non mon gars, viens chez moi à Los Angeles, on va vivre ensemble, on va bosser ensemble, on va créer ensemble, ça va être sympa !» Alors entre septembre 2022 et novembre 2023, Rodney Jones vit avec le boss de Bad Boys Records. Après 9 mois qu'il décrit comme cauchemardesque, il plie bagage. Le truc c'est que sa torture ne prend pas fin. Pour Didi, Rodney Jones a coproduit cette chanson. Le souci c'est que l'argent ne suit pas.
un peu comme d'habitude. En tout, Rodney Jones n'a perçu que 29 000 $ pour son travail, et Bad Boy refuse de lui verser des royalties. Sauf que Rodney Jones, il a la gnoque, il ne lâche pas l'affaire, et il décide de prendre à partie sa communauté. Sur ses réseaux sociaux, il interpelle directement son ex-collègue et la maison de production. I've been working on an album. I took a year off straight working on this album. That album is the love album, Off the Grid by Diddy. And it's Grammy nominated right now as we speak. I should be celebrating, but the truth is I'm not. I've tried to get my business straight with them on this album, but the truth is they're not playing fair. They hit me on below the belt on so many situations, just dealing with this. It's the contract that they gave me and the offer that they gave me was just disgusting. Le truc, c'est qu'il se passe absolument rien. C'est là qu'il se dit que, foutu pour foutu, si Diddy veut le maintenir sous l'eau, ils vont couler tous les deux. Le 26 février 2024, Rodney Jones dépose une plainte fédérale à l'encontre de Diddy et d'une dizaine d'autres accusés. C'est de cette plainte que viennent la plupart des rumeurs selon lesquelles Diddy serait à la tête d'un trafic d'êtres humains. Je précise, tout ce que je m'apprête à vous dire ne sont que des suppositions. Gardez à l'esprit que Rodney Jones essaie d'obtenir de l'argent de Diddy, donc tout ce qu'il dit n'est pas parole d'évangile. Quand il arrive chez Diddy, Rodney a l'impression d'avoir grimpé dans l'échelle sociale. Il vit dans une villa magnifique, il côtoie les meilleurs producteurs, les meilleurs chanteurs, il est invité à des fêtes exclusives sur des yachts. En fait, il vit sa meilleure vie, pendant quelques jours. Puis très vite, Diddy aurait commencé à avoir des gestes déplacés. Il aurait eu les mains un petit peu baladeuses, on va dire ça comme ça. Forcément, à un moment donné, Rodney se plaint. Il va voir Christina Coram, la chef du personnel de Diddy, et lui dit « Mais il me touche partout, enfin j'en peux plus en fait, c'est pas possible. » Et Christina Coram lui aurait répondu « Oh tu sais, Sean, il sera toujours Sean, hein, c'est comme ça. » Genre, toute son équipe a complètement normalisé et banalisé ses comportements. Mais il y a pire. Quand Diddy se lave, Rodney doit rester dans la salle de bain avec lui. Et il lui dit « Tu sais mon frère, c'est juste pour que tu notes tous les éclairs de génie qui me traversent la tête quand je suis sous la douche, tu vois. Sous la douche, j'ai toujours des super bonnes idées, donc voilà quoi, ce serait bien que tu fasses ça pour moi. » En vrai, tout ça, c'est surtout un prétexte pour en arriver au fait que Diddy marche nu devant Rodney. Vous le savez, chez Diddy, la drogue et les freak-offs coulent à flot. Sauf que, toujours selon la plainte, Rodney, il est pas vraiment à l'aise avec tout ça. Lui, il se décrit comme un homme noir chrétien et il ne veut pas de tout ça dans sa vie. Forcément, quand Diddy et ses potes se mettent à sortir des substances, à agir un peu étrange, Rodney, lui, cherche immédiatement la porte de sortie. Mais Diddy, lui, il aime quand tout le monde participe. Au début, Rodney, il fuit comme il peut, mais avec le temps, Diddy lui fait des avances de plus en plus poussées. Et il aura fini par lui dire que, pour réussir, il devait passer sous le bureau. Nous sommes maintenant le 24 novembre 2022. Ce jour-là, Rodney aurait subi une agression sexuelle en bonne et due forme. Pour Thanksgiving, Diddy fait venir plusieurs de ses amis à la maison. Bon, la fête se passe à sa manière, hein. Il y a des rails de farine sur la table, les invités sniffent sans se faire prier, l'esprit de Thanksgiving n'est pas vraiment là. Comme d'habitude, lui, Rodney, il ne fait rien. Il est super mal à l'aise et il finit même par aller se cacher dans une salle de bain. Le truc, c'est que quelqu'un entre. Quand Rodney entend la porte s'ouvrir, il a vraiment peur que ce soit Diddy. Mais pas du tout. C'est l'une des invitées qui a l'air, disons, bien excitée. On l'appellera Jane Doe. Donc Jane Doe décide d'avoir un rapport sexuel avec Rodney. Et le fait qu'il ne soit pas du tout d'accord ne change rien à sa décision. Elle se met à genoux et vous connaissez la suite. Rodney s'échappe, il revient dans le salon en courant et là encore, sa tortionnaire le suit. Apparemment, elle se déshabille et elle essaie d'avoir des relations intimes avec lui. Et ça, devant Diddy et les autres membres de son staff. Toujours selon la plainte, à partir de février 2023, Rodney Jones commence à participer à ses freak-offs. Pas de son plein gré, non. Selon lui, il aurait été drogué. Là, je suis sûre que vous vous demandez pourquoi exactement Rodney restait malgré toutes ses bêtises. Et bah pour l'argent les gars. Diddy lui avait promis 250 000 $ pour s'acheter de nouveaux instruments, il lui a juré qu'il lui donnerait un manoir valant 20 millions de $, et surtout il lui a promis qu'il le mettrait en contact avec les gros pontes de l'industrie musicale. Bien sûr, vous l'avez compris, hein, Rodney Jones n'a rien vu de tout ça. Il a vu Diddy nu sous tous les angles, il a vu passer tout genre de drogue, mais pas la rémunération qu'il attendait. Et c'est cette rage qui l'a motivé à porter plainte. Je ne dis pas que Diddy est un saint, mais en tout cas, il faut savoir que Rodney a ajouté beaucoup d'éléments un peu improbables dans sa déposition. Il a par exemple accusé Diddy d'organiser des soirées un peu olé olé avec des jeunes filles mineures. Il a été prouvé plus tard que ces jeunes filles n'étaient pas mineures. En tout, il a 15 chefs d'accusation et plus de 10 accusés. Et ça aussi, c'est un problème. En fait, la plainte de Rodney Jones, elle va un peu dans tous les sens. Il ratisse vraiment large. Du coup, on a un peu l'impression que son réel objectif est d'obtenir de l'argent.
Pour ça, il semblerait qu'il ait pris des éléments véridiques et qu'il les ait saupoudrés d'une bonne dose de fantaisie. Après, il faut reconnaître que son avocat a eu une idée de génie en glissant les accusations de trafic d'êtres humains. Parce que c'est grâce à cette accusation que le FBI a pu fouiller les maisons de Didi le 25 mars 2024. Et c'est toujours grâce à elle que, le 16 septembre 2024, Sean Combs est incarcéré dans la prison fédérale de Brooklyn. Entre-temps, 120 autres personnes ont porté plainte contre l'ancien rappeur pour agression sexuelle. 25 d'entre elles était mineure au moment des faits déclarés. Maintenant, et j'insiste dessus, ça ne veut pas dire que Didi est coupable. Ce sont juste des bribes d'informations, des pièces d'un puzzle qui est encore incomplet. Peut-être qu'il s'agit juste d'un complot organisé par ses détracteurs. Peut-être que Didi possède 1000 bouteilles d'huile de bébé parce qu'il a juste la peau très très sèche. Pour savoir s'il a vraiment fait toutes ces choses horribles, il faudra attendre la fin de son procès. Entre-temps, Didi regardera son empire s'effondrer derrière les barreaux de sa cellule. Depuis l'affaire Cassie, sa fortune personnelle est passée de plus d'un milliard de dollars à seulement 600 millions. Il a perdu près de 500 millions en contrats, actions, etc. En parallèle, forcément, son image publique est si écorchée que personne ne veut ne serait-ce qu'être vu avec lui. Dans une interview très controversée, le comédien Cat Williams a donné un conseil à tous les spectateurs. P. Diddy be wanting the body. And you gotta tell him no. C'est sur cette phrase pleine de sagesse que je vais conclure cette vidéo. J'ai essayé de faire un condensé de toutes les informations qu'on a à ce jour et j'espère que j'ai pu tout rassembler et que vous êtes à jour. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air. J'ai parlé pendant des heures, j'ai l'impression. Hein. Donc s'il vous plaît, pour me soutenir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et puis on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de profiter de l'offre exclusive de CyberGhost VPN avec 83% de réduction et 4 mois gratuits. Bah, on est tous heureux, hein. Protégez votre vie numérique et accédez à des contenus exclusifs tout en restant totalement anonyme. CyberGhost vous offre aussi une garantie de remboursement de 45 jours, donc vous ne risquez rien si vous n'aimez pas le service. Essayez-le dès maintenant en suivant le lien dans la description.